Bienvenue, bonjour. Mon nom est Marcel Martel et je suis professeur d'histoire à l'Université York. Au nom de la Fédération des sciences humaines, je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième causerie, voire grand, à l'occasion du 80, 91e Congrès des sciences humaines. Aujourd'hui, la professeure Christine Vézina prononcera une conférence intitulée Au-delà du délit d'insolidarité, éléments de réflexion pour une transition fondée sur les droits économiques et sociaux. L'événement se déroulera en français et en langue des signes américaines. Nous avons également prévu une interprétation simultanée en anglais ainsi qu'un sous-titrage en français et en anglais. Une interprète en langue des signes américaines devrait apparaître sur votre écran Zoom. Pour accéder à l'interprétation simultanée, veuillez vous rendre au bas de votre écran Zoom où le terme Interprétation est affiché afin d'accéder à l'interprétation en anglais. Pour activer les sous-titres en français, veuillez cliquer sur le bouton Sous-titres au bas de votre écran. Ce bouton se trouve également dans Paramètres. Pour accéder au sous-titre en anglais, veuillez cliquer sur le lien fourni dans la fenêtre de clavardage de Zoom. Cette information apparaîtra à nouveau dans la fenêtre de clavardage au cours de l'événement pour ceux et celles qui nous rejoindront un peu plus tard. Pour commencer, sachez que je vous parle de chez moi à Toronto, situé sur le territoire traditionnel de plusieurs nations, incluant les Mississauga de Crédit les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wanda, et est maintenant le territoire de plusieurs membres de Premières Nations, des Inuits et des Métis. Toronto fait partie du traité 13 avec les Mississaugas de crédit. La fédération reconnaît que le congrès, bien que tenu de manière virtuelle, est organisé depuis un centre logistique situé sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Nous tenons à témoigner notre respect envers l'ensemble des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis, d'un bout à l'autre du pays, pour leur rapport précieux, passé et présent. La série de causeries, voire grands, qui se tient tout au long du Congrès, réunit d'éminents spécialistes et des personnalités connues afin d'aborder certaines des questions. Crucial de notre époque. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir la professeure Christine Vézina, professeure agrégée à la Faculté de droit de l'Université Laval et spécialisée dans les injustices socio-économiques et de santé. Depuis 2017, la professeure Vézina cherche mieux comprendre, à mieux comprendre pardon, la culture juridique des droits de la personne qui produit qui reproduit la marginalisation des droits économiques, sociaux et culturels, tels les droits à la santé, au logement, à l'alimentation suffisante et à un niveau de vie suffisant au Québec et au Canada? Elle nous parlera de la relation mutuelle entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux que la pandémie de COVID-19 a mise à nu. La professeure Vézina expliquera également les raisons pour lesquelles la transition vers un monde post-Covid-19 doit être fondée sur les droits économiques et sociaux. Après la présentation, j'animerai une discussion et une séance de questions-réponses avec la professeure Vézina. Vous pouvez soumettre vos questions en les tapant dans la fenêtre questions-réponses. Vous pouvez également Participer à la conversation sur Twitter en utilisant les mots CLIC, Voir Grand et Congrès SSH. Au nom de la Fédération des sciences humaines, je tiens à remercier les commanditaires de la série de causeries Voir Grand, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, Université Canada et la Fondation canadienne pour l'innovation. Je vous remercie et j'invite maintenant le professeur Vézina à présenter sa conférence. Merci professeur Martel pour cette introduction. Chers collègues, chers décideurs des politiques publiques, professionnels, chers étudiants étudiantes, chers membres du public. Bien sûr, je suis honorée d'être présente parmi vous aujourd'hui et je tiens à remercier chaleureusement la Fédération des sciences humaines pour son invitation à participer à cette causerie voir grand. Je tiens aussi à remercier euh, Lisa Cham Semchuk et toute l'équipe chargée de la logistique et du soutien technique sans qui nous ne pourrions aujourd'hui être ensemble dans cet espace virtuel. On m'a invité aujourd'hui à, et je cite, repenser le monde dans lequel nous vivons dans le but de pouvoir construire un avenir plus diversifié, durable, démocratique et juste. Je ferme les guillemets. En bon élève, j'ai tenté de me prêter au jeu en m'appuyant, bien sûr, sur les recherches que j'ai réalisées jusqu'à ce jour, mais j'ai essayé aussi de repousser un peu les frontières de ma zone de confort pour inscrire mon travail dans un thème plus vaste euh, que je n'avais pas jusqu'ici encore exploré, celui de l'insolidarité. Ce concept et son antonyme m'ont semblé détenir une valeur heuristique pour à la fois comprendre le monde pré-pandémie pré et la crise de COVID-19, et pour se projeter dans une transition fondée sur la reconstruction des liens sociaux. C'est donc avec beaucoup d'humilité que je vous présente les fruits de cette réflexion dans le cadre de ma, con, de ma communication qui s'intitule Au-delà du délit d'insolidarité, éléments de réflexion pour une transition fondée sur les droits économiques et sociaux. On peut maintenant changer de diapo. Alors, mon propos sera divisé en trois parties. Je démontrerai dans un premier temps que les atteintes aux droits, et en particulier aux droits à la santé, au logement, à un niveau de vie suffisant, qui sévissent impunément au Canada et au Québec, rendent compte d'un délit d'insolidarité euh, euh, qui a vulnérabilisé notre société à la crise de la COVID-19. Je m'attarderai ensuite sur les effets de la pandémie dans l'émergence d'une nouvelle communauté d'intérêt susceptible de créer un momentum favorable à la mise en œuvre des droits économiques et sociaux en tant que normes juridiques pouvant soutenir une transition solidaire. On peut maintenant changer de diapo. Alors, euh, je souhaite dans un premier temps. Euh, attirer votre attention sur les atteintes aux droits qui étaient présentes et qui demeurent d'ailleurs présentes aujourd'hui au sein de la société québécoise principalement. Le Canada et le Québec, il faut, il faut d'abord dire que le Canada et le Québec ont ratifié le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels en 1976 en vertu du droit international et suite à cette ratification. Le pacte impose des obligations aux États, des obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre euh, les droits qui y sont proclamés. Bien sûr, la réalité est tout autre sur le terrain où on observe de manière récurrente des atteintes aux droits économiques et sociaux. Alors, bien sûr, loin de moi aujourd'hui l'idée de vous présenter un portrait exhaustif de ces atteintes protéiformes. Je souhaite plutôt illustrer mon propos en attirant votre attention sur trois types d'enjeux qui posent de graves problèmes en matière de violation des droits économiques et sociaux euh, qui ont été euh, particulièrement mis en lumière pendant la crise de la COVID-19. Premièrement, je veux parler du démantèlement que je qualifierais de tranquille du système de santé. Deuxièmement, de la pauvreté. Et troisièmement, de la marginalisation. Alors, tout d'abord, euh, le démantèlement du système de santé. Bien sûr, il s'agit d'un sujet vaste et complexe, mais pour faire une histoire courte, disons que le système qui a été mis en place dans les années 60 a fait l'objet de nombreuses réformes qui ont euh, érodé de diverses manières le système. Pensons à la réforme de 97, qui était fondée sur le virage ambulatoire, la désinstitutionnalisation et les mises à pied des employés du réseau. Pensons à la réforme de 2003 qui était fondée sur la réingénierie de l'État et le nouveau management public qui carburait à la réduction des coûts, à la gestion axée sur les résultats et à la concurrence entre les établissements. Et enfin, pensons à la récente à la plus récente réforme de 2015 qui a centralisé les pouvoirs dans les mains du ministre de la santé et imposé aux médecins une approche productiviste. Ces réformes successives ont entraîné différents effets, bien sûr, euh, dont, euh, dont, dont notamment un manque d'accès aux soins en première ligne, euh, des disparités régionales d'accès aux soins euh, qui ont été rapportées notamment par euh, le commissaire à la santé. Euh, ces réformes ont aussi entraîné des barrières à l'accès pour les personnes en situation de vulnérabilité ont indûment allongé les listes d'attente pour les interventions dans les hôpitaux, ce qui, notamment, a favorisé l'introduction du euh, système privé. Et enfin, euh, ces réformes ont réduit la, capa la capacité hospitalière à 2500 lits d'hôpitaux par un million d'habitants, comme on a pu le voir pendant la COVID-19. Deuxième élément sur lequel je souhaite attirer l'attention, euh, le thème de la pauvreté. Au Québec, environ 10 de la population a un revenu inférieur à la mesure du panier de consommation. La mesure du panier de consommation, c'est l'indice fixé par le fédéral qui porte sur la couverture des besoins de base, donc essentiellement se nourrir, se vêtir, se loger. De ce nombre, les statistiques du ministère du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale de février 20, 2022 indiquent qu'environ 300 000 personnes sont prestataires d'un programme d'assistance sociale, ce qui inclut les adultes et les enfants. En 2022, le barème d'aide sociale pour une personne seule sans contrainte à l'emploi est de 726 par mois. Additionner des crédits d'impôt, le revenu disponible correspond à environ 50 de la mesure du panier de consommation, c'est-à-dire la capacité de répondre à ses besoins de base. Alors, les personnes, évidemment, prestataires d'aide sociale ne couvrent pas leurs besoins de base et se trouvent en situation de survie au Québec. Québec, qui euh, est une province qui se situe pourtant... Selon les chiffres de 2017, qui datent un peu au 21e rang du classement euh, euh, fondé sur le PIB de l'OCDE, les personnes euh, prestataires d'aide sociale font aussi les frais de préjugés et de stigmatisation. Euh, une étude récente là, de 2021, réalisée par Landry et Hall, euh, révélait que les personnes prestataires de l'aide sociale forment un groupe qui est hautement stigmatisé le groupe même, voire même le groupe le plus stigmatisé selon notre étude réalisée par Noro et Al en 2015. Et donc, euh, ces personnes sont très vulnérables à la discrimination. Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ces préjugés à l'égard des personnes prestataires d'aide sociale forment un voile qui masque les causes structurelles de la pauvreté, dont les obstacles systémiques qui empêchent l'intégration au travail des prestataires d'aide sociale. Pourtant, les catégorisations de la. Social fondée sur l'aptitude à l'emploi continue de distinguer les bons des mauvais pauvres en nourrissant et en cristallisant les préjugés. Concernant les salariés au bas de l'échelle, mentionnons rapidement que le salaire minimum a augmenté le 1er mai. Hein? Il est passé à 14 25 ici au Québec. Alors, ce qui signifie que pour une semaine de 35 heures, le taux horaire est légèrement au-dessus de la mesure du panier de consommation destinés à répondre aux besoins de base, mais que euh, ce salaire ne permet pas d'atteindre ce qu'on appelle la sortie de pauvreté, qui est un indicateur qui a été développé par l'IRIS. Troisième élément sur lequel je souhaite attirer votre attention, euh, celui de la marginalisation. Les personnes itinérantes, euh, les personnes itinérantes, utilisatrices de drogues injectables et les travailleuses du sexe sont confrontées à des obstacles importants dans la jouissance de leurs droits. Selon une estimation du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y aurait environ 6 000 personnes itinérantes au Québec, les chiffres de 2018, les autochtones et les Inuits étant surreprésentés dans ce groupe. Euh, et le nombre d'itinérants aurait doublé à Montréal pendant la COVID-19. Bien sûr, face à ces personnes, le, man le manque de places en refuge euh, et la pénurie de logements. De, notamment la pénurie de logements sociaux, nourrissent bien sûr la problématique, les problématiques auxquelles elles sont confrontées. Pour les personnes utilisatrices de drogues injectables qui sont confrontées à la crise des surdoses d'opioïdes, l'accès à des traitements adaptés à bas seuil pose problème. Pour les travailleuses du sexe, quant à elles, elles demeurent confrontées à la criminalisation des de leurs activités et privées d'un filet social alors, ces situations que je viens de vous présenter peuvent sous divers, sous divers angles être qualifiées d'atteinte au droit. ce type de constat d'atteinte au droit met en lumière un type de relation, la relation entre la personne et l'état, qui est propre au droit public. et c'est ici que l'idée du délit d'insolidarité, qui est inspirée là de de la notion de délit de solidarité, qui fait référence à un tout autre phénomène dont je pourrais parler, bien sûr, euh, en période de questions. Mais donc, c'est ici, face à ce constat que les violations des droits, les atteintes aux droits s'inscrivent dans une relation entre l'État et la personne, c'est ici que l'idée du délit d'insolidarité vient prendre toute sa valeur heuristique. Parce que je pense qu'en mobilisant ce concept d'insolidarité, une notion d'ailleurs euh, qui, euh, qui, qui a été qualifiée par euh, Pierre Ansart en 1992 de notion en désuétude. Donc, cette notion, entendue comme une forme de destruction ou de délitement des liens sociaux, euh, nous permet en fait euh, de situer les relations entre les personnes et l'État propre au droit dans le tissu social plus large et plus vaste, marqué par l'individualisation de la société. Et le paradigme de la responsabilité individuelle. On comprend dès lors que les atteintes aux droits économiques et sociaux sont surdéterminées par ce délit d'insolidarité qui nous engage toutes et tous. Bien sûr, l'État, et quand je parle de l'État, j'entends ici euh, le pouvoir législatif, euh, le gouvernement et le pouvoir judiciaire, l'État donc contribue à ces atteintes aux droits économiques et sociaux par ses choix, par son action, son inaction. Mais tous les acteurs de la société, c'est-à-dire les acteurs de la société civile, les acteurs privés, les citoyens sont en quelque sorte, et je vais employer un mot entre guillemets, mais sont coupables en quelque sorte de ce délit d'insolidarité qui est produit, reproduit naturellement par eux selon les volontés du système. On peut maintenant changer de diapo. Alors, bien sûr, personne ne peut nier que la crise de COVID-19 a mis en lumière les effets différenciés de la pandémie sur les personnes. Euh, cette crise a aussi révélé, comme un bon cas d'école, l'interrelation et l'interdépendance entre les droits économiques et sociaux et les droits civils et politiques. Les droits civils et politiques, ici, j'entends davantage les droits tels le droit à la liberté, le droit à la sécurité. On a pu voir donc que les atteintes au droit à la santé, attribuables aux effets du démantèlement du système de santé, ont induit des restrictions à la liberté de toute la population. Je pense ici aux mesures de confinement, au couvre-feu. Et que ces atteintes au droit à la santé ont aussi eu un impact sur le droit à la vie et à la sécurité des personnes malades en attente d'intervention occasionnée par le délestage. De nouvelles atteintes aux droits à la santé ont, ici, ont aussi été annoncées en termes de qualité des services. Hein. Il, euh, on a annoncé à un certain moment dans la pandémie que la qualité des services passerait du niveau A, au niveau B. On a pu constater également que les atteintes aux droits à un niveau de vie décent des travailleurs au bas de l'échelle ont dû être compensées par une prestation de supplément qui était fixé à 100 dollars par mois au plus fort de la crise pour permettre à la population d'avoir accès aux services essentiels, dont l'accès aux épiceries, pour bien sûr euh, pouvoir euh, euh, satisfaire leur droit à l'alimentation. Et finalement, en raison des particularités propres à la transmission du virus, on a observé également que si les exclus étaient plus vulnérables à la COVID-19. Pensons par exemple euh, aux itinérants, aux personnes itinérantes privées d'hébergement et de conditions minimales d'hygiène. Pensons aux travailleuses du sexe qui, privées de soutien de revenus d'urgence, ont continué de travailler en s'exposant au risque de transmission. Eh bien, on a pu constater que si ces personnes exclues étaient plus vulnérables à la COVID-19, c'est l'ensemble de la société qui se mettait à risque, euh, notamment à travers euh, une saturation des lits d'hôpitaux euh, occupés par des personnes malades de la COVID et par la transmission elle-même entre les individus. Et c'est dans ce sens qu'on peut voir dans la crise de COVID-19 un événement ayant fait émerger de nouvelles relations, une nouvelle communauté d'intérêt. Autrement dit, certains murs impénétrables, imp impénétrables entre les exclus et le reste de la population sont tombés, révélant des liens de réciprocité, structurant une solidarité d'urgence. On peut maintenant changer de diapo. Cette solidarité pragmatique, on pourrait la qualifier de solidarité pragmatique, en effet, euh, cette solidarité mérite d'être étudiée, documentée et mise en lumière sur la place publique. Euh, mon hypothèse consiste à dire qu'elle constitue cette solidarité pragmatique un fertilisant pour les droits économiques et sociaux. Ce momentum solidaire favorable à la protection et à la mise en œuvre des droits économiques et sociaux peut peut-être enfin permettre de bousculer le statu quo juridique québécois et canadien qui demeure réfractaire aux droits économiques et sociaux en dépit des développement marquant en droit international et en droit comparé. En vertu du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux dont j'ai parlé un peu plus tôt, en vertu de ce pacte, donc, les droits économiques et sociaux imposent aux États des obligations qui sont à la fois à réalisation immédiate, je pense par exemple à la satisfaction du noyau minimal essentiel des droits. Je pense à la priorité qui doit être accordée aux besoins des personnes les plus vulnérables et enfin à l'obligation de non-discrimination. Ce pacte impose également des obligations qui sont à réalisation progressive au maximum des ressources disponibles, ce qui signifie d'ailleurs que ces ressources disponibles doivent être mobilisées, notamment par la fiscalité. Le pacte impose enfin des obligations qui interdisent les, le recours aux mesures régressives de la part de l'État. Hein? L'idée ici, c'est d'appuyer sur le fait qu'il euh, doit y exister une certaine forme de maintien des acquis. Alors, ces droits qui imposent cette panoplie euh, d'obligations euh, continuent d'être confrontés à des résistances euh, assez fortes. Euh, dans le droit québécois et dans le droit canadien. Euh, ces résistances, en fait, qui se trouvent produites et reproduites par une culture juridique fondée sur le paradigme hégémonique des droits civils et politiques. Euh, en même temps, il existe de nombreux leviers qui sont disponibles dans le droit pour altérer le statu quo et faire pénétrer les droits économiques, sociaux et culturels dans euh, le droit interne québécois et canadien. On peut maintenant changer de diapo. Ces droits économiques et sociaux présentent un intérêt particulier pour structurer la transition post-pandémique. Ils sont universels dans le sens où ils sont accessibles à tous et toutes, mais ils sont modulés en même temps par les différences entre les personnes. Les droits économiques et sociaux imposent aux États comme nous venons de le dire, comme je viens juste de le dire, impose aux États euh, d'accorder une priorité aux besoins des personnes les plus vulnérables et aussi d'adapter les mesures qui sont offertes à la population pour réaliser le droit à la santé, au logement, au niveau de vie suffisant, euh, impose donc euh, d'adapter ces mesures aux particularités propres aux cultures et réalités des personnes pour rendre les soins et les services acceptables pour, pour, pour ces personnes. Et donc, en ce sens, on peut dire que les droits économiques et sociaux sont porteurs d'un universalisme d'altérité et donc de solidarité. On peut maintenant changer de diapo. Mais bien sûr, pour passer de la théorie à la pratique, pour passer à la vie sociale des droits, comme qualifi... c'est le... un terme que j'emprunte à Saillant, pour passer donc à la vie sociale et juridique des droits économiques et sociaux et se projeter dans les manières dont ces droits peuvent soutenir une transition solidaire, il faut mettre en lumière le rôle des acteurs, les acteurs experts et profanes du droit, ces acteurs qui sont susceptibles de se saisir des droits euh, pour leur donner effet. Alors, je pense bien sûr au gouvernement, aux législateurs, aux juges, aux avocats, aux organisations non gouvernementales, aux organismes communautaires et aux personnes elles-mêmes. Ici, je souhaite attirer votre attention sur le fait que la mise en œuvre des droits économiques et sociaux peut se concrétiser de manière à la fois descendante et ascendante, descendant, descendante donc du haut vers le bas et ascendante du, du bas vers le haut. Dans une perspective plus juridique, quand, je, qu on, quand on pense euh, aux euh, stratégies de mise en œuvre des droits économiques et sociaux qui viennent du haut, on peut penser bien sûr au rôle du législateur qui euh, est tenu de euh, mettre en œuvre ses droits à travers les lois euh, qu'il qu adopte. On peut penser euh, à la place qu'occupent ces droits. Euh, lorsque vient le temps d'adopter des lois. Est-ce qu'il existe, par exemple, des mécanismes de conformité qui font en sorte que euh, les droits économiques et sociaux sont pris au sérieux par le législateur? On peut penser également euh, au rôle, de, euh, au rôle des, des droits économiques et sociaux en tant que normes soumises à la délibération. Bien sûr, quand on pense au, à ces stratégies de mise en œuvre plus juridiques, plus formelles des droits économiques et sociaux, on, on peut bien sûr pointer du doigt le rôle des juges, le rôle des tribunaux judiciaires. Ces derniers euh, doivent accepter d'entendre des litiges innovateurs. Présentement, on sent une certaine résistance à cet égard. Donc, ils doivent accepter d'entendre des litiges innovateurs qui sortent un peu des sentiers battus euh, et accepter notamment d'entendre des appels, les appels qui portent sur les droits économiques et sociaux. On, à, à ce jour, on observe une fermeture des tribunaux supérieurs à l'égard des appels qui portent sur les droits économiques et sociaux. Euh, on peut penser aussi aux besoins pour les avocats de développer euh, des arguments. Euh, qui euh, encore une fois euh, euh, sortent des sentiers battus, sortent euh, euh, des, du paradigme des droits civils et politiques et donc du besoin de développer des arguments que l'on va cadrer, cadrer dans euh, les normes des droits économiques et sociaux en créant des alliages avec le droit positif qui est en vigueur. Et dans une perspective plus sociologique, il y a d'autres euh, stratégies qui méritent aussi notre attention pour penser la mise en œuvre des droits économiques et sociaux dans une perspective plus du bas vers le haut. Euh, autrement dit, différents types d'acteurs, autant euh, je pense bien sûr euh, aux organisations non gouvernementales, euh, 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 ces acteurs peuvent se saisir des droits économiques et sociaux comme étant un cadre de référence pour structurer leur programme, leur action et pour, au final, donner vie, j'ai envie de dire, in concreto aux droits économiques, sociaux et culturels. Euh, dans ma thèse, j'ai déjà étudié la contribution des organismes communautaires de lutte au VIH-SIDA à la mise en œuvre concrète du droit à la santé sur le terrain. Et euh, j'ai pu à ce moment-là observer que euh, l'élément déterminant pour donner effet au droit à la santé, c'est de préserver euh, et de valoriser l'autonomie des organismes communautaires. On peut aussi penser en, en, en un dernier point, à titre de stratégie possible à mobiliser pour donner effet aux droits économiques et sociaux sur le terrain. À toutes ces initiatives nouvelles qui émergent et qui euh, invitent euh, les citoyens à, à, à s'engager autour de la notion des communs. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à penser ici en termes de réalisation du droit à l'alimentation, du droit au logement, à travers ces initiatives de participation citoyenne autour de cette idée de, de commun. On peut maintenant changer de diapo. Alors, bien sûr, euh, euh, Lorsqu'on observe euh, le monde tel qu'il existait pré-pandémie, euh, ce qui est survenu pendant la crise, et quand on essaie de se projeter à travers différentes stratégies de mobilisation des droits économiques et sociaux, on peut penser qu'un certain cycle est amorcé hein, du délit d'insolidarité. La COVID-19 a, a créé une... A mis en lumière euh, l'existence de nouveaux liens sociaux, une, forme de une nouvelle forme de communauté d'intérêt qui offre un momentum pour les droits économiques, sociaux et culturels, qui, eux, offrent des principes structurants pour une transition solidaire. Reste maintenant à écrire cette transition en la juxtaposant, et je veux terminer avec ce point, en la juxtaposant à celle de la transition environnementale. Qui nous pousse à forger une nouvelle solidarité intergénérationnelle qui nous lie avec la nature euh, et dont la reconnaissance pointe déjà dans différentes enceintes législatives et judiciaires à travers le monde. Merci pour votre attention. C'est moi qui vous remercie pour votre conférence. Et bien entendu, j'ai plusieurs questions. Et ces questions sont inspirées à la fois par. Euh, tous les, les nombreux travaux qui ont été faits sur les communautés francophones et l'utilisation par les communautés euh, francophones hein, de, de la fameuse charte des droits et libertés de la personne de manière à forcer les États à reconnaître leurs droits. Donc, j'ai bien aimé votre référence à délit euh, d'insolidarité. Et la première question que j'ai pour vous, c'est quelles seraient les possibles mesures de réparation? Est-ce que le terme réparation est approprié? Merci beaucoup pour votre question qui est en effet très appropriée. Euh, c'est vrai qu'au Canada, j'ai parlé des résistances des tribunaux judiciaires et euh, du droit interne à l'égard de la reconnaissance des droits économiques et sociaux. Et l'éléphant dans la pièce quand on parle de ce sujet, c'est en fait la reconnaissance d'obligations positives à la charge de l'État. Dans le, les cas que vous évoquez, la protection des droits des minorités linguistiques euh, à travers le Canada, il y a une, une disposition explicite dans la Charte canadienne, c'est l'article 23, qui reconnaît le droit à l'instruction publique euh, dans la langue des minorités. Et sur la base de cet article 23, on a eu euh, au début des années 2000, si je me souviens bien, la date m'échappe, peut-être fin des années 90, en tout cas j'ai un, un petit blanc de mémoire sur la date, mais on a eu une décision. Euh, extrêmement importante, l'affaire Doucet-Boudreau. Et dans cette décision, en première instance, euh, les communautés franco francophones sont allées devant le juge pour. Euh, en fait, pour. Euh, les communautés francophones sont allées dans le juge parce, devant le juge parce qu'en fait, les autorités gouvernementales s'étaient engagées à construire des écoles pour permettre l'accès à l'éducation dans la langue de la minorité. On était ici au Nouveau Brunswick, euh, donc euh, communauté francophone, bien sûr, minorité francophone. Et euh, le juge, donc euh, constatant que l'État s'était engagé, mais qu'elle n'avait que l'État n'avait jamais euh, entrepris la construction de ces écoles, le juge a euh, a rendu ce qui est assez euh, important dans cette affaire, a rendu ce qu'on appelle une ordonnance structurelle et une ordonnance structurelle, et eh bien concrètement, il s'agissait de forcer l'état à construire les écoles requises et non seulement à forcer l'état à construire les écoles requises, mais également à ce, à, à, le, le tribunal s'est déclaré euh, saisi du dossier pour faire le suivi de la progression des travaux et c'est cette, cette ordonnance structurelle qui a fait l'objet d'un appel et c'est montée jusqu'en cour suprême du canada parce qu'on se demandait si c'était légitime pour un tribunal judiciaire de rendre une telle forme de réparation et la cour suprême du canada a confirmé euh, le caractère tout à fait euh, euh, légal euh, valide sur le plan constitutionnel de cette ordonnance structurelle. Et suite à cette décision-là, bien sûr, de nombreux auteurs qui travaillent sur les droits économiques et sociaux, je pense notamment à Bruce Porter qui a beaucoup écrit sur cette, à, ce, 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 ce sujet, ont euh, développé des réflexions sur la portée de ce type de réparation structurante, structurelle, qui viennent en fait toucher les causes systémiques des atteintes aux droits. Donc, le parallèle est tout à fait approprié et euh, offre un précédent qui est très important pour euh, les personnes qui souhaitent mobiliser euh, les droits économiques et sociaux devant les tribunaux judiciaires et avoir accès à des réparations euh, transformatrices. Et euh, parce que je, je partage, j'ai bien aimé la première partie de votre présentation puisque vous nous rappelez ce qui s'est passé au cours des deux, des, des deux dernières années. Euh, les, les personnes marginalisées qui, dans bien d'écoles, sont devenues encore plus. Euh, Est-ce qu'il y a présentement des cas euh, ou des groupes qui songent à amener devant euh, les tribunaux euh, des situations qui découlent de la pandémie et qui forceraient les États à, à, à agir? Dans le domaine de la reconnaissance des droits économiques et, euh, et sociaux? C'est une excellente question. J'ai fait, euh, euh, c'était à l'époque pré-pandémique, j'ai réalisé des entrevues avec différentes organisations non gouvernementales dans le cadre d'une recherche empirique, fond, justement qui portait sur la culture juridique des droits de la personne, à, à une époque pré-pandémique, donc avant la pandémie. Et euh, dans le cadre de ces entrevues, en fait, ce qui est ressorti, c'est que pour les organisations non gouvernementales, et je parle bien sûr des organisations non gouvernementales du Québec, parce que je pense, hein, c'est une intuition euh, qui mériterait d'être davantage travaillée, mais je pense qu'il existe de véritables euh, différences culturelles euh, quant, à la, quant aux stratégies de mobilisation des droits devant la reine judiciaire. Euh, C'est-à-dire que dans le Canada anglais, euh, je pense qu'une tradition plus plus importante euh, de mobilisation des droits devant les tribunaux judiciaires, alors qu'au Québec, on sent chez les organisations non gouvernementales que le législateur, l'enceinte législative, euh, demeure la reine la plus appropriée pour mobiliser les droits et en particulier les droits économiques et sociaux. Euh, bon, ça ne ça répond pas directement à votre question, professeur Martel, mais je tenais à le dire parce que euh, ici, je veux mettre en lumière euh, euh, ces résistances quant à l'arène judiciaire qui contribuent également à, 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 la, à la culture juridique des droits de la personne qui existe au Québec. Euh, et bien sûr, euh, ces organisations non gouvernementales, euh, elles ont cette position pour différentes raisons. Euh, notamment parce qu'elles subissent encore, je pense, les effets paralysants de la décision Gosselin. C'est une décision qui a été rendue par la Cour suprême du Canada en 2002 et c'est la seule décision rendue par la Cour suprême du Canada qui était question de, euh, de, des liens entre euh, la pauvreté le fait d'être prestataire d'aide sociale et les droits de la personne et cette décision en fait a fermé de nombreuses portes et donc euh, on sent 20 ans plus tard on sent encore aujourd'hui les effets paralysants de cette décision de la Cour suprême du Canada ce qui peut expliquer donc euh, les réserves les réticences euh, euh, des organismes euh, qui craignent en fait de perdre le contrôle euh, bien sûr du dossier et de se faire à nouveau euh, fermer des portes donc ça, c'est une, une piste de réponse. Mais donc, pour euh, rebondir sur la situation euh, euh, post-pandémique, euh, à ma connaissance, il euh, n'y a pas d'organisme encore euh, qui, euh, euh, qui travaille activement à mobiliser les, les tribunaux judiciaires. Ceci dit, euh, on a parlé rapidement de la situation des personnes itinérantes euh, au Québec. Il euh, y a un momentum sur la question du droit au logement qui existe présentement. Le Canada euh, a adopté, le gouvernement fédéral a adopté une stratégie nationale sur le droit au logement, a reconnu dans l'ordre juridique euh, canadien le concept de droit au logement. Et donc, euh, ça change un peu euh, les données, ça. Euh, ça pourrait permettre, en tout cas, des outils pertinents pour. Euh, euh, mobiliser le droit au logement devant les tribunaux judiciaires. Euh, il y a eu d'ailleurs, pendant la crise de la COVID-19, un recours qui a été intenté en Cour supérieure du Québec lorsque une personne itinérante a été euh, trouvée euh, décédée dans une toilette publique. Vous avez peut-être entendu parler de, cette, euh, de cet événement. Euh, donc, il y a eu un recours qui a été intenté au beau milieu de la crise de la COVID-19 pour demander à ce que les décrets qui imposaient le couvre-feu. Euh, ne soit pas applicable aux euh, personnes itinérantes. Euh, et et un, un autre enjeu qui n'est peut-être pas euh, intimement lié à la COVID-19, mais qui me semble quand même euh, euh, avoir été exacerbé par le contexte de la COVID, c'est celui des, du droit à l'éducation. Je sais qu'il y a des groupes qui sont en train de se structurer présentement, qui représentent euh, les enfants ayant des euh, besoins particuliers dans le milieu scolaire. Et là, il y a une forte mobilisation et certainement que la crise de la COVID-19 a exacerbé les problèmes de déscolarisation et de scolarisation partielle. Et euh, à cet égard, euh, il y aurait peut-être là une voie, une ouverture possible vers euh, une mobilisation judiciaire. Euh, je vais me permettre une, une autre question parce que je sais qu'il y, y a déjà euh, des gens qui nous ont envoyé des, euh, des questions et je vais, je vais euh, les partager avec vous. Mais la dernière question que j'ai pour vous est, euh, croyez-vous, et là, je, ou bien je suis un naïf, ou euh, oui, c'est possible d'y croire, on sait que dans le domaine des droits... Euh, de la francophonie canadienne, ce qui, ce qui a euh, aidé, c'est bien entendu la mise en place par le gouvernement fédéral d'un programme qui finance les recours devant les, les euh, tribunaux, parce que l'on le sait, les tribunaux ça coûte cher. Mm -hmm. Serait-il possible d'imaginer euh, la mise en place de programmes similaires qui permettraient à des groupes, vous avez mentionné tout à l'heure le cas de, du droit à l'éducation, des groupes qui pourrait avoir les moyens financiers fournis par l'État de manière à assurer, je ne sais pas, le droit de euh, faire en sorte que le logement, c'est un droit garanti. Et lorsque l'État euh, faille à sa tâche, eh bien, il euh, y, a, y a un recours. Serait-il possible d'imaginer la possibilité que, que le gouvernement crée un tel programme de manière à fournir les ressources nécessaires à ces groupes communautaires ou à ces individus? Je pense qu'il existe déjà le programme de contestation judiciaire qui avait été euh, euh, mis sur la glace pendant le règne euh, euh, du gouvernement euh, conservateur et qui a été réhabilité euh, suite à, à l'élection des, des libéraux. Alors ce programme de contestation judiciaire offre du soutien justement euh, euh, financier pour contester euh, en fait, pour mobiliser les tribunaux judiciaires. Donc, il euh, n'y a rien qui empêche de s'appuyer sur ce programme pour développer des recours basés sur les droits économiques et sociaux, par exemple. Mais je voudrais profiter de votre question pour euh, euh, ouvrir la réflexion vers euh, le législateur également, parce que c'est vrai que lorsqu'on pense aux droits économiques et sociaux, comme euh, à tous les droits de la personne, d'ailleurs, euh, en fait, on fait rapidement les liens entre jouissance des droits tribunaux judiciaires, réparation, ce qui n'est pas, bien sûr, dépourvu de sens. Il s'agit, bien sûr, d'un levier important pour mobiliser les droits économiques et sociaux. L'arène judiciaire est, un, est une arène tout à fait pertinente. Mais dans le cadre de mes travaux plus récents, dans, les, dans, le, dans le qui porte sur euh, les liens justement entre le pouvoir législatif et la mise en œuvre des droits. Je pense que c'est important de voir euh, plus grand. Je vais reprendre le thème d'aujourd'hui, de voir plus grand pour euh, euh, mettre en perspective ce qui est fait devant les tribunaux judiciaires avec ce qui est fait par le législateur. Et une des préoccupations que j'ai actuellement, c'est de constater que au Québec, euh, hormis le travail qui est fait par les légistes de l'état les avocats qui travaillent dans les ministères euh, pour s'assurer de la conformité des lois au, au, droit, au droit en vigueur dont notamment la charte québécoise. Donc, hormis ce travail-là, qui est plutôt fait sous l'angle finalement de la vie juridique, euh, de l'évaluation des risques de poursuite de, de recours ju juridique, hormis ce travail-là, j'observe je, 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 qu'il n'existe pas véritablement de prise en compte sérieuse des droits économiques et sociaux au sein de l'enceinte législative. Et j'ai fait récemment une étude sur euh, euh, la réforme de l'aide sociale. De, de 2017 qui portait sur euh, la création du programme Objectif Emploi. Et j'ai demandé à mes étudiants de répertorier euh, l'ensemble des euh, revendications qui ont été mises de l'avant euh, en commission parlementaire, euh, les revendications qui portaient donc sur les droits eux-mêmes. Et bien sûr, ici, on avait une forte mobilisation du droit à des mesures susceptibles d'assurer un niveau de vie décent qui est prévu dans la Charte québécoise. Et j'ai essayé de voir. Euh, Qu'est-ce qui avait été euh, repris par les députés en discussion en commission parlementaire et qu'est-ce qui finalement a entraîné des amendements au projet de loi? Et euh, on constate voilà que par exemple dans le cadre d'une commission parlementaire, le rapport euh, qui est soumis par la commission des droits de la personne et les prétentions de la commission des droits de la personne qui est finalement la gardienne de la charte québécoise sont traités au même niveau que les, les revendications des organisations non gouvernementales. Pourtant, le rôle de gardienne de la Charte québécoise qui est conférée à la Commission des droits de la personne est reconnu explicitement dans la Charte québécoise. Donc, bref, euh, euh, je trouve qu'il est vraiment important, bien sûr, de s'intéresser à ce qui est fait devant les tribunaux judiciaires, mais de regarder ça sous l'angle du dialogue, dans la théorie du dialogue, c'est bien documenté dans la littérature, mais de regarder de manière un peu empirique ce qu'il advient de ce dialogue entre le législateur et le pouvoir judiciaire. Et ça va nous donner, je pense, un portrait euh, plus riche euh, des, différentes, euh, des différentes ouvertures euh, pour faire pénétrer les droits économiques, sociaux et culturels. Merci. Et là maintenant, je vais euh, lire les questions qui nous sont envoyées. Donc, une première euh, nous, vous invite à, c'est-à-dire à élargir euh, des horizons en s'intéressant à l'international. Donc, la question, c'est comment ces problèmes se manifestent-ils dans d'autres pays? Et y a-t-il des, des exemples que vous jugez particulièrement importants à étudier pour le, le Canada et le Québec? Oui, j'ai mentionné hein, lorsque j'ai fait état là, de, de, de l'existence de ces résistances dans le droit interne à l'égard des droits économiques et sociaux. J'ai voulu mettre ça en tension avec les développements importants qui existent en droit international. Euh, je pense notamment euh, à l'adoption du protocole facultatif au Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels qui est entré en vigueur en 2013 et qui permet, dans l'arène euh, internationale, euh, d'avoir accès à des euh, mécanismes de plainte individuelle. Donc, ça, c'est une avancée qui est importante en droit international. Mais il existe aussi, en droit comparé, différentes initiatives euh, qui euh, nous permettent euh, de mieux comprendre le contenu normatif des droits économiques et sociaux, euh, la méthodologie judiciaire euh, à partir de laquelle on peut donner vie à ces droits dans l'arène judiciaire. Alors, bien sûr, le, le, le pays qui est le plus souvent, je pense, cité à cet égard, c'est l'Afrique du Sud, parce que lorsque l'Afrique du Sud a adopté sa constitution euh, en, dans, au début des années 90, en, début 96, excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire, mais la nouvelle constitution de l'Afrique du Sud est venue reconnaître de manière explicite et formelle certains droits économiques et sociaux, dont le droit au logement, dont le droit à la santé, et il y a eu des décisions phares qui ont été rendues par la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, notamment la fin Group boom qui est très connue, citée en matière de droit au logement, donc qui offre de nombreuses clés de compréhension de la méthodologie juridique requise pour donner effet aux droits économiques et sociaux dans l'arène judiciaire. Il y a différents pays aussi comme l'Argentine, la Colombie, beaucoup de pays d'Amérique du Sud qui ont reconnu également les droits économiques et sociaux dans leur constitution, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a rendu des décisions très importantes en matière de droit à la santé euh, assez ré, euh, de manière assez récente là, fin des euh, 2018 ou dans ces eaux là euh, bon bref il y a une étude qui a été faite par des chercheurs américains là, qui ont dénombré le nombre de constitutions à travers le monde qui ont intégré les droits économiques et sociaux et c'est un nombre très important, presque un nombre qui va bien au-delà de 100 pays là, qui ont reconnu les droits économiques et sociaux. Donc, ce n'est pas euh, des phénomènes qui sont marginaux. OK, merci. Autre question. Que pensez-vous ou euh, c'est-à-dire que pensez-vous? C'est-à-dire, croyez-vous? Euh, non pas croyez-vous, mais que pensez-vous? Euh, c'est-à-dire, quel est le rôle des organismes communautaires? Désolé là. Quel est le rôle des organismes communautaires dans, un, dans, un, dans le futur? concernant les droits humains et bien entendu toute la question de, de l'accès à des soins de santé. Donc quel est le rôle des organismes communautaires euh, dans l'avenir en ce qui regarde en ce qui concerne les droits de la santé et les droits humains euh, ben, C'est une question qui euh, m'interpelle bien sûr euh, puisque j'ai fait ma thèse sur ce sujet. Euh, alors euh, je... il y a différents il y a différents éléments qui méritent d'être mentionnés bien sûr. Euh. Au premier chef, le financement accordé aux organismes communautaires, bien sûr. Hein, euh, donc, on sait que. Et la COVID, d'ailleurs, a eu un effet euh, très important sur les organismes communautaires. Euh, la pénurie de personnel a un effet euh, très lourd sur les organismes communautaires qui peinent à, à maintenir euh, euh, les services euh, en place. Mais donc, bref, euh, hormis ces, ces enjeux qui sont fondamentaux, euh, D'ailleurs, on a vu que le gouvernement du Québec a répondu en quelque sorte à, à ce constat, puisqu'ils ont enfin euh, annoncé euh, dans le dernier budget euh, des mesures assez substantielles de financement auprès des organismes. Mais au-delà des enjeux de financement, ce qui est important, je pense, de mentionner ici, c'est que le droit, la, la réalisation du droit à la santé, notamment pour les personnes en situation de marginalité, euh, c'est un droit qui. Euh, euh, qui en fait, nécessite des, mesu des mesures, des, des services, du soutien qui est véritablement adapté aux réalités du terrain, hein, des approches euh, fondées sur l'altérité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans ce sens, euh, les organismes communautaires sont de véritables décodeurs des réalités du terrain et ils sont en mesure d'adapter des soins, des services, du soutien aux réalités du terrain. Alors, c'est pour ça que je disais que après le financement, le deuxième élément le plus important pour faire en sorte que les organismes que les organismes communautaires puissent continuer de réaliser le droit à la santé sur le terrain, c'est celui du respect de leur autonomie parce qu'à partir du moment où le, les Sius de ce monde euh, euh, imposent des lignes directrices qui viennent, à, qui viennent si vous voulez, fixer des priorités qui ne sont pas celles qui émanent du terrain, Eh bien là, il risque d'y avoir des, euh, des programmes qui euh, ne sont pas adaptés aux véritables réalités, et donc… Euh, euh, ça risque de, de porter préjudice à l'accessibilité des, des soins, des services, ainsi qu'à leur euh, à leur caractère adapté et acceptable pour les personnes visées. Donc financement, autonomie, ce sont deux, deux composantes qui sont extrêmement importantes, primordiales pour euh, permettre aux organismes communautaires de euh, d'assumer euh, ce rôle qui leur est propre. et j'ai envie de dire un dernier, élément, euh, un, un dernier élément sur lequel je souhaiterais euh, faire un, un petit commentaire. c'est que autant, donc, à travers ma thèse, par exemple, je me suis intéressée à la manière dont les organismes communautaires contribuent concrètement à la réalisation du droit à la santé, euh, autant on observe euh, et c'est ressorti d'ailleurs dans les entrevues récentes que j'ai faites avec des organisations non gouvernementales, on observe que ces organismes euh, qui s'inscrivent dans la tradition de l'action communautaire autonome euh, sont, euh, existent pour, bien sûr, créer des programmes, offrir du soutien, mais existent aussi pour s'engager dans une forme de transformation sociale, pour développer des revendications, exiger euh, des modifications aux lois, aux politiques publiques, aux programmes. Et euh, parfois, on constate que euh, les partenariats, les relations qui se soudent entre les organismes communautaires et l'État euh, peut avoir un impact, un, euh, un, des effets muselants sur certains organismes. Donc, il faut aussi être critique de euh, ce type de phénomène. Je pose une dernière question et je suis désolée parce qu'il y a plusieurs autres questions. Donc, je vais lire une dernière question, mais vous allez, vous allez adorer cette question-là, mais vous n'allez pas aimer ce que je m'apprête à dire. Vous avez trois minutes pour y répondre. Pensez-vous que les Canadiens comprennent leurs droits? Est-ce que nous, nous nous concentrons sur nos droits et libertés personnelles plutôt que sur nos responsabilités collectives? Vous avez trois minutes pour répondre à cette question. Je ne suis pas certaine que euh, les Canadiens, les Canadiennes euh, aient pleinement conscience de leurs droits, de leurs droits personnels ou du, des droits euh, des autres personnes, euh, des autres citoyens, notamment des personnes en situation de vulnérabilité. Là, je pense qu'il y a un enjeu important ici. Mais ce qui est important peut-être de, de garder en tête par rapport à cette question, c'est que la conscience, l'idée, la conscience des droits. C'est un concept qui est fondamental parce qu'on estime que c'est à travers cette conscience des droits qu'on est capable de résister à l'hégémonie d'un système qui entraîne des inégalités. Alors, ça signifie qu'on a tout intérêt à, à travailler autour de cette conscience des droits et notamment la voie de la recherche participative est, un, est une voie assez féconde pour travailler sur cet aspect. C'est-à-dire, merci, merci pour cette, euh, cette réponse et encore une fois, euh, désolé d'être euh, pratiquement là à la fin de notre séance et je, je tiens à m'excuser à tous ceux et celles qui nous ont envoyé euh, des, des, des questions. Euh, le, le fait que nous avons reçu autant de questions démontre l'intérêt qu'a suscité non seulement votre présentation, mais surtout la pertinence des questions, et, et des questions abordées. Donc, comme je le mentionnais, c'est que nous sommes arrivés à la fin de notre séance, de questions et euh, réponses. En mon nom et au nom de tous ceux et celles qui nous ont écoutés, je vous remercie infiniment, euh, professeur Christine Vésina, pour cette euh, discussion et surtout pour la pertinence de vos propos et surtout pour nous inciter à prendre... Euh, vous nous avez contribué à nous faire prendre conscience de l'importance de, de ces questions et du rôle que nous avons comme individus, mais aussi euh, comme collectivité lorsqu'on parle de droits économiques et sociaux. Cela a été un véritable plaisir de me joindre à, à vous à l'occasion de la causerie voir grand euh, d'aujourd'hui. Au nom de la Fédération des sciences humaines, je remercie une nouvelle fois les commanditaires de la série de Causeries Voir Grand le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, Université Canada et bien entendu la Fondation canadienne pour l'innovation. Si vous souhaitez revoir la présentation d'aujourd'hui ainsi que cette conversation, la vidéo sera disponible sur la plateforme Congrès 2022 dans les prochains jours. Nous espérons que vous vous joindrez à nous à l'occasion de la prochaine causerie qui aura lieu lundi le 16 mai de midi à 13h et qui aura pour terme ce qui suit, changement de mentalité, tout commence par la décolonisation et ce sera euh, la docteur Denise Ferreira da de Silva qui prononcera euh, la conférence à ce moment-là et cette causerie se déroulera en anglais. D'ici là, vous pouvez continuer à participer à la conversation sur Twitter en utilisant les mots-clics que je vous rappelle, voir grand et bien entendu congrès SSH. Je vous remercie toutes et tous de vous être joints à nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le congrès 2022 jusqu'à présent et que nous vous reverrons prochainement dans le cadre d'un autre événement, voir grand.